LG de Kif Nobit lynché sur les réseaux sociaux. Hey, mamma mia. Je suis le modérateur humoriste, voilà. Moi et Mimel, pas les problèmes de quelqu'un comme ça. Mais je suis venu un peu pour vous donner la nouvelle. On était là comme ça sur les réseaux sociaux. Un matin, on se connaît, c'est gâté. Les gens ont commencé à lapider. Moi-même, j'ai dribblé, il restait un peu, ça allait me blesser. J'ai fait les recherches, je demande qu'est-ce qui ne va pas. On dit que c'est LG. Il a fait sortir une nouvelle chanson. Quelle chanson là n'est pas chic. Et Ramba est plus fort que lui. Chacun a commencé à donner sa version. Moi je vais sur les réseaux sociaux, mais regardez ces gâtés. Vraiment, chanson là, ça m'a pas jailli. Mais les gars qui sont en train d'insulter là, c'est vrai, vous insultez parce que vous avez ricouché à lui. Mais vous demande pardon, science, on n'a qu'à apprendre à se. C'était, oui, on peut lui faire des critiques. Hein? Une critique ou bien une critique. Bon, c'est qu'un jour, on peut faire critique. Une critique. Donc, critique constructive. Là, comme ça, il va aller retravailler le son, il va reprendre le son pour nous envoyer, on va s'en gérer. Hey, LG, voilà pourquoi on dit souvent sur les réseaux sociaux, faut faire très attention. Parce que ce que tu lances là, français, ça va revenir vers toi. En parlant de revenir vers toi là, il y a l'homme Saga qui est parti dire là-bas encore à la radio que lui n'a jamais été brouteur. Oui, c'est pas si le brouteur, mais actuellement là, il y a les vidéos qui passent sur les réseaux sociaux, vidéos où il est en train de jeter l'argent sur les artistes, n'importe comment. Il s'est tressé sur le côté. Il y a les photos même où il a attrapé l'argent là, beaucoup, il est assis devant l'ordinateur. En tout cas, c'est en train de passer, oh, c'est en train de passer. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. C'est que si ça se passe sur les réseaux sociaux, c'était le modérateur. Oh. Je vais aller vite m'informer pour la suite et je reviens tout à l'heure.